Bienvenue en France. Vous êtes dans mon atelier situé en région parisienne. Comme dans un bureau de style, je dessine du tissu et crée des accessoires en bouti. Aujourd'hui, nous allons apprendre la base du bouti en fabriquant cette petite pochette. Pour la petite histoire, il se dit que le bouti nous provient du 12e ou 13e siècle. En réalité, les plus connus viennent de la période du 17e ou 18e siècle. Ce type de technique s'appelle piqûre de Marseille. À cette époque, le travail était réalisé finement avec des effets de transparence, souvent utilisés pour des bustiers. Après le 18e siècle, le bouti se concevait à l'image de ce modèle, avec des dessins très décoratifs et un bon volume de bourrage. La plupart du temps créé pour des jetées de lit, des pétassons ou des cadeaux de mariage et de naissance. Actuellement, les boutis confectionnés sont des modules, des jetées de lit et d'autres ouvrages mais travaillés en aplats, de forme rectangulaire ou carrée et systématiquement blanc. Je me suis amusée à créer des modèles de sacs à main, de vêtements, d'accessoires et même du cartonnage, mais en couleur et en volume. Et maintenant, mettons-nous à l'ouvrage en confectionnant cette pochette. Voici la liste du matériel nécessaire à la réalisation de ce bouti. Nous avons donc besoin de 3 aiguilles, une à quilter pour coudre, une à broder et une à tapisserie à pointe ronde. Il vous faut également un cercle à broder en bois, communément appelé tambour, d'à peu près 15 cm de diamètre, juste un peu plus petit que ma main. Il nous faut 2 dés, c'est indispensable. Un pour la main droite, un pour la main gauche. Ainsi qu'un pic-olive en bois. Une pièce de tissu, généralement en coton batiste. Du fil pour mécher, 100% coton, ou coton et synthétique non torsadé, celui que l'on utilise pour tricoter des pulls d'été par exemple. Du fil à quilter de préférence 100% coton pour coudre. Et du fil de coton à broder spécial. Cette pochette que nous allons confectionner est idéale pour votre nécessaire de couture ou maquillage et a l'avantage d'être à la dimension de votre passeport. Ce beau relief est obtenu en méchant entre les deux tissus. Allez, il est temps que je vous en explique la réalisation. La matière première est un coton batiste très fin. Pour voir le dessin par transparence, placez le tissu sur le patron en le mettant droit fil, puis fixez-le avec des épingles et enfin, dessinez avec un crayon et une règle en partant du milieu vers l'extérieur. Là, le dessin est transféré sur l'endroit du tissu. Lorsque le dessin n'est pas visible en transparence parce qu'il est trop épais ou de couleur, on utilise alors un papier transfert pour se simplifier la vie. Comme cela, entre le patron et le tissu, on glisse le papier transfert. On met droit fil par rapport au dessin et on retrace avec le stylo. Comme ceci, voilà. Nous allons assembler les deux tissus. Placez le tissu blanc sous le tissu dessiné et bâtissez en quadrillant tous les 5-6 cm comme un damier.
5番の目のようにしっかりしつけをして布がずれないようにします。Cette préparation est très importante pour la réussite de notre ouvrage. この押し付けがしっかりしていないと、最終的に綺麗な出来上がりませんので、この下準備はしっかりこの下準備はしっかりしてください。Vous mettez le cercle à broder sur le tissu à l'endroit. Puis, nous allons coudre le dessin avec les deux dés. Il est très important que le dé de la main gauche soit sur le majeur ou l'index. Choisissez de préférence des dés à rebord. On commence à coudre avec le fil à quilter. Regardez, j'utilise un fil orange pour que vous voyez mieux. Mais normalement, nous utilisons un fil de la même couleur que le tissu. Commençons à 1,5 cm en avant du dessin. Prenez le dessus du tissu, tirez le fil et là, on entend un petit bruit. Il faut glisser le nœud entre les deux tissus. Commencez au point arrière tout en soulevant. Par le dessous, le tissu, qui se trouve tendu par la pression du tambour. Faites-le à l'aide de votre dé de la main gauche. L'aiguille reste toujours horizontale. Maintenant, il vous suffit de coudre à petits points réguliers. この時にですね、ほんの 半目分ですね、返しに。Regardez la façon de soulever. On pousse avec le coin du dé le tissu par derrière. Comme ça, il est plus facile de faire remonter le tissu sur l'aiguille. で、下から押し上げるように布を持ち上げて、ぐし縫いをします。ここの布を指抜きで押し上げてすくっていくということです。こちらの La ligne terminée, continuez à la ligne suivante, sans couper le fil et en glissant entre les deux tissus. Attention, prenez soin de faire passer le fil uniquement aux endroits qui seront méchés. On va continuer jusqu'à la fin du fil. On peut enlever le fil du bâti au fur et à mesure du travail. Pour arrêter le fil, il vous suffit de faire un demi-point arrière et un petit nœud. Tournez le fil deux fois autour de l'aiguille en appuyant avec le doigt. Tirez l'aiguille, voici votre nœud fait. Ensuite, remettre le fil dans le petit trou et ressortir à 1,5 cm plus loin. Tirez juste le nœud entre les deux tissus comme au début. に引き込むということです。この時も裏の布はすくっていません。表の布だけすくうということです。On prend juste le premier tissu. On tire le fil et le petit nœud au milieu des deux tissus. 今、プチッと音がしましたけれども、これで玉留めが2枚の布の中に入って隠れたということです。Et on coupe le fil à ras.こちらの方に出てるのは中に詰め物をしちゃうと隠れてしまいますので、こちらのパールの柄を縫っていきます。Nous allons coudre le motif de perles en forme de vague sans couper le fil. Il faut que le motif reste fluide. 8の字を描くように、こちらの方ですね、8の字を描くように波形に、あと逆に波形に戻っていきます。こちらの方、やはりOn cache le nœud de départ entre les deux tissus. On commence le demi-point arrière.こちらですね、やはり半目の返し縫いをします。で、ここをちらから細かく縫っていきます。ここからつなぎがスムーズに次の丸に移ります。
On coud suivant le motif comme une vague et on remonte dans l'autre sens. Le dessin doit être cousu de façon fluide. On peut continuer jusqu'à la fin du fil. Le motif suivant, c'est la marguerite cousue au point arrière. Utilisez le fil à broder spécial. On renouvelle l'opération comme précédemment pour cacher le nœud du fil. Tâchez de faire des points réguliers. Gardez le même espace entre les points. Dessus, on recule d'un point. Dessous, on avance l'espace de deux points. Et continuez ainsi sur tous les pétales. Nous avons terminé le premier cercle en point arrière. On passe entre les deux tissus et nous continuons le deuxième cercle des pétales. Ensuite, nous faisons la même chose sur tous les pétales. La marguerite est finie. Nous allons finir la bordure, soit au point de boutonnière, soit au point de feston. À savoir que le point de boutonnière est plus résistant que celui de feston. Moi, mon préféré, c'est bien sûr le point de boutonnière que je vais vous expliquer. Nous avons 5 dentelures. Surtout, n'arrêtez pas le fil au beau milieu de l'arrondi. Si vous reprenez une nouvelle aiguillée, faites-le au creux de la dentelure. Pas de nœud pour commencer avec le fil à broder spécial. Tout simplement, 3 petits points masqués en guise de nœuds. On coud la base en suivant le dessin de la dentelure. Puis à 2-3 mm, on fait le deuxième contour, ce qui nous donne l'épaisseur du point boutonnière. Vous prenez le fil, vous le passez dans le chat de l'aiguille. Tournez-le autour de la pointe de l'aiguille, toujours dans le même sens avec régularité. On tire le fil dans le même sens avec la même force. Et voici tous les motifs cousus. Ceci est le fil pour mécher. Glissez-le entre les deux tissus afin de donner plus de relief au dessin. Pour mieux voir le travail, là j'utilise du fil bleu. Pour éviter de l'épaisseur dans le chat de l'aiguille, il est indispensable de préparer votre aiguillé en enfilant un fil et le nouer comme un lasso. Premièrement, ça n'abîme pas le tissu et ça glisse plus facilement. Retournez le tissu cousu. Placez-le dans le tambour, cousez sur l'endroit, mais attention, nous mècherons sur l'envers. Si vous avez un grand ouvrage, vous pouvez utiliser le cercle à quilter qui est plus grand et plus épais que celui à broder. Maintenant, nous sommes prêts à mécher. Prenez l'aiguille à tapisser à la pointe ronde numéro 18 ou 20. Et laissez-moi vous montrer comment préparer l'aiguillé et le lasso.
なるべく強いキルト糸などを使ってください。Nous enfilons le fil à quilter d'environ 25 cm. Doublez-le, puis nouez-le au moins deux fois, vérifiez-en la résistance. 切れてる方をですね、2つ合わせて針の穴の中に入れます。2本一遍に針の中に入れないと、引っ張った時に取れやすくなりますので、必ず2本合わせて針穴に入れてください。2回結びます。ここの針のちょうど後ろに引っ張った時に来るように2回しっかり結びます。で、これで案内糸ができたということです。こちらですね、糸の方は、Couper le fil à mèche pas trop long et passer dans le lasso. 長いところを詰めるときには、長い糸が必要ですけれども、小さいところを詰めるときには、小さい、短い糸を使ってください。で、このように、案内糸の輪の中に、爪糸をかけていくということです。こちらの方ですね、詰めていきます。この糸の針を使って、花びらを詰めていきます。Rentrez l'aiguille entre les deux tissus. これは裏に針が通ってないということです。2枚の布の間を針が通っています。こちらの Tirez le fil à mèche très doucement. 引っ張るということで、この中に入ってきます。今ここブルーが入っているのが見えると思いますが、これで詰まっていくということです。Puis, coupez le fil à mèche à ras et continuez jusqu'à obtention d'un relief bien dodu. Un pétale demande 3 à 4 passages. Si le fil à mèche dépasse un peu, repoussez-le avec un pic en bois ou bien tirez par l'intérieur avec la pointe de l'aiguille. こちらの方ですね、何回か繰り返してください。多分この花びらだと3、4回入れますとちょうどいい膨らみになると思います。このように、voilà le pétale, ainsi mêché. こちらの方ですね。花びらが詰まりました。これからこのドーナツ型。Méchons maintenant le cœur de la fleur. Comme le tour est très arrondi, il est impossible de mêcher en une seule fois avec l'aiguille rigide. 一挙には通しませんので、何回かに分けて通していくということです。Alors pour cela, nous procéderons à 3 ou 4 passages pour obtenir un contour bien rond et un beau bourrage. 今ちょうどここまでこのところに。Au premier passage, ne sortez pas le fil à mêcher, sortez uniquement le fil dit lasso. Tirez un peu le fil lasso, puis remettez l'aiguille dans le même trou pour faire suivre la mèche et renouveler ainsi l'opération plusieurs fois. Ne terminez pas par le même trou que celui du départ. このドーナツがあまりにも小さくて入れにくいときには2回に分けて糸一旦切って半分ずつやってもいいでしょう。でこちらですね、最後の穴です。同じところに詰めてしまいますと入ると交差点がスムーズにいきませんので、少しずれて脇に出すようにしてください。これで一周できたということです。で、ここですね、糸は少し多めに切ってください。というのは、この中にかなり糸が引かれてますので、これを慣らすと中に入ってしまいますので、この余分な糸は少し À la fin, on ne sort pas par le même trou que l'entrée. Voilà, on a fait un tour, on coupe le fil à mêcher. On laisse un peu de marge et on l'étale à l'intérieur avec l'aiguille.
用紙のようなもので入れていただくと、これで出来上がりということです。Pas d'inquiétude, ce trou de passage disparaîtra au lavage et la fibre du tissu reprendra toute sa forme. 布の繊維が壊れていなければ、洗ってしまえれば、見えなくなりますので、全く問題ありません。こちらですね、洗ってしまうと見えなくなります。こちらが今このドーナツを入れたところです。Ce motif demande un deuxième passage. Il est presque impossible de bourrer en une seule fois. Tout simplement, faites-le en deux fois. Laissez un peu de fil et rentrez-le à l'aide du pic. Nous allons maintenant mécher les lignes. Généralement 4 mm de largeur. Nous allons faire un passage de deux fils. Pratiquez de la même façon que pour le cœur de la fleur. やはり一枚の布だけすくってください。で、この中間ぐらい、針より少し短いところで。Faites attention de ne pas vriller les fils. Bien les écarter, comme ceci. Ça rentrera bien droit. Laissez 1 à 2 mm de chaque côté. Coupez le fil, bien placez le fil, le rentrez, en poussant toujours avec votre pic. いくとこの2本の糸はよじれて入るっていうことがないんで比較的きれいに仕上がります。こちらですね、やはりこの時点で案内糸だけを出して爪糸は出さずにこのまた同じ穴に入れてくぐらせます。こちらの方ですね、そーっと引っ張ると最後まで通ることができます。こちらですね、ほんの 1-2 ミリ残して切ってください。少しこの糸が爪糸が見える程度です。こちらでこの糸が1回2本入ったということです。 Voici le fil méché passé une fois. Nous avons donc deux fils à l'intérieur. Ceci est l'endroit du bouti. まずは爪糸が終わりましたら洗濯をします。洗濯をして、Lorsque le méchage est terminé, lavez l'ouvrage en utilisant une brosse douce avec du savon de Marseille ou un savon pour le textile afin d'enlever les traces de crayon. Ensuite, séchez avec une éponge pour absorber un maximum d'eau et surtout ne pas tordre. Regardez comme il est bien lavé et séché. Maintenant, coupons le contour de la bordure. 組み立てに入ります。こちらの方ですね、周りの縫い代をですね、切ります。ボタンホールがされてるスカラップのところ。Tout d'abord, coupez à ras du point de boutonnière en laissant 8 mm sur les trois côtés pour finir par un petit ourlet roulé. 8 mm の縫い代を残して切ります。これが三つ巻き縫いの時の縫い代になります。ボタンホールの周りを刺繍糸を切らないように注意しながら切っていきます。Voilà les trois côtés ourlés, roulés. Faites très attention de ne pas couper le fil à broder spécial. 三つ折りにして細かく切ると糸でまつりつけていきます。8ミリに切られた縫い代の角を こちらの部分ですね、三角に折りたたみます。こうすることによって、 On plie le début de l'ourlet roulé en petit triangle et sur toute la longueur roulé, rouleté, on coud en petit point. 細かくまつりつけていってください。 On fait la même chose sur les trois côtés. このようになります。こちらの方をぐるりとコの字にまつりつけいきます。これが三つ折りがされて仕上がった状態です。
admirer le travail de Guti est terminé. L'ouvrage est devenu à peu près 10% plus petit par rapport au patron. Si vous confectionnez des vêtements ou des chapeaux, pensez à ce petit détail, c'est important. Pour réaliser la pochette, vérifiez sur le patron. À la sixième perle, pliez le tissu. Et cousez les deux côtés au point toi et moi, à l'aide du fil à quilter. Doublez bien pour la solidité. Passez l'aiguille d'un côté et de l'autre du tissu, et ainsi de suite. Voilà, c'est terminé. Attention, ne le repassez pas, sauf si c'est vraiment nécessaire. Traitez-le comme une broderie en le repassant par l'envers. Mais vraiment, il est préférable de le tendre et de le mettre en forme lorsqu'il est encore humide. Merci de m'avoir suivi. Êtes-vous satisfaite? Les explications vous semblent-elles faciles? En ce cas, on se revoit bientôt avec d'autres techniques et une nouvelle collection.